Ok, donc, mesdames et messieurs, excusez-moi, je souhaite la bienvenue à cette 22e cérémonie de remise des diplômes du Collège Montréal. Mon nom est Vincent Marchevert. Je suis un enseignant ici au programme d'éducation en service à la France. Et j'ai l'honneur de vous accueillir aujourd'hui et d'agir comme animateur. Le Collège respecte et tient à reconnaître et à honorer l'histoire et la culture des Premières Nations, des Métis et des Inuits sur l'ensemble des territoires partagés de l'Ontario. Au nom du Collège, je tiens à remercier les communautés indigènes de leur collaboration et de leur contribution à la richesse du patrimoine. Yeah. You can get that off of your back. Then you get the wood and the color of the flags and stuff. Yeah. Say a few words. She turned it down. Okay, she had turned it down? Yep. Okay, thank you very much. Thank you. That's better. Thank you. Thank you.
Donc, je vais d'abord vous permettre de vous présenter les signataires présents pour cette cérémonie. Je vous invite à réserver vos applaudissements pour la fin des présentations. Premièrement, le président du Collège Boréal, M. Daniel Moussoukou. Et elle a contribué de façon exceptionnelle au succès du collège Boréal.
ou de l'avancement d'un de plusieurs boursiers pertinents. Alpha Toronto est créé en 1988 et représente le seul programme d'organisation de formation de base francophone à Toronto. Cet organisme propose des services gratuits, confidentiels et exclusivement axés à des adultes francophones. Mais il n'y a pas de diplôme secondaire. Alpha Toronto est un partenaire dans le recrutement des étudiants postsecondaires pour le Collège Poirier au campus de Toronto. Environ 20% des étudiants chaque année reviennent sans Alpha Toronto. Permettez-moi aussi de féliciter la compagnie Nebus Hauser Canada Limited de Toronto, qui se mérite le prix du président du Collège Poirier. Le prix de la présidence du Collège Poirier du secteur privé, qui sert à souligner avec l'attitude des efforts d'entrepreneurs ou d'entreprises du secteur privé. Nebus Hauser Canada est fondée en 1990 avec le 16 hectare à Covington en Ontario et une succursale à Montréal, au Québec. En bref, Nebus Hauser est l'un des principaux fournisseurs de produits, de solutions et services pour la mesure de l'automatisation des procédés industriels. Depuis plusieurs années, cette compagnie accepte le classement des étudiants et embauche un minimum de 6 diplômés du Collège Poirier en instrumentation. Ces étudiants-là travaillent encore aujourd'hui à temps plein, soit à Montréal, à Toronto, même à Burlington. Donc je profite de l'occasion pour remercier tous nos partenaires, tous les entreprises qui ont bien voulu accueillir les stagiaires ou encore faire des dons. Votre collaboration nous serait très précieux. I would also like to say a few words for our informal friends, parents, and partners who honor and keep our post-secondary institution with their trust, their support, and their collaboration. Understanding the net advantage of speaking more than one language is probably the most valuable gift you can offer your children. Chers finissants, je vous souhaite que bientôt vous allez recevoir votre diplôme du Collège Poirier. Un collège en français dont vous avez levé en étant aussi très fier. Un collège qui se démarque et s'est classé encore une fois au premier rang parmi les 24 collèges d'Ontario. Et à chaque année, le collège Poirier, comme vous autres, on le souhaite un thème qui mesure 5 millions, satisfaction des étudiants, les satisfactions des diplômés, satisfaction des employeurs, ceux qui embauchent nos diplômés. Mesure aussi, une fois qu'il commence au Collège Poirier, est-ce qu'il diplôme? Et une fois qu'il diplôme, est-ce qu'il s'ouvre dans le programme? 5 indicateurs. L'année dernière, le Collège Poirier est tombé de numéro 1 sur 4 des 5 indicateurs. Cette année, encore une fois, le Collège Poirier est en première place sur 3 des 5 indicateurs. C'est historique, c'est jamais vu. Juste vous donner un exemple, depuis 1998, que nous sommes sur le Ontario, il y a seulement deux autres collèges depuis 1998 qui ont même eu deux premières classes en même temps. Donc, on va recevoir 3 et 4, c'est vraiment extraordinaire. Et pourquoi c'est important ça? Parce que ça dépend de la valeur de la qualité de la formation que vous avez obtenue. En votre nom, je remercie le personnel du collège, vos professeurs, le personnel de soutien, les gestionnaires. Nous sommes le meilleur collège d'Ontario grâce à leur travail et surtout leur engagement envers votre succès. Nous espérons vous voir, chers finissants, revenir au collège et revenir afin de devenir membre d'un nouveau comité consultatif, l'Association des anciens, voire même en conseil d'administration. Alors, soyez fiers de vous rester, de votre diversité, de votre collège, fiers de vos accomplissements et fiers de qui vous êtes. Il s'agit de ma première remise de diplôme comme président du Collège Poirier. De voir mon finissant de bien diplômé, je suis très fier de ce que je suis. Ça fait chaud au cœur, après année, de voir autant de potentiel, de fierté et d'espoir pour le futur de notre pays. Après plus de 20 ans de carrière au collège, j'ai appris quelques leçons de vie. Je veux donc vous partager quelques conseils. 1. Le seul endroit où le succès précède le travail est dans le dictionnaire.
veut. Il n'y a qu'une façon d'échouer. C'est d'abandonner avant d'avoir réussi. 3. La plus grande erreur que tu peux faire dans ta vie, c'est d'avoir peur de faire des erreurs. Et 4. C'est la définition de l'équipe. Vous allez être le futur de Dieu. Vous allez devenir membre de l'équipe. Et vraiment définir une qualité, un leader, une belle équipe, c'est pas quelque chose de bon. Ça, c'est facile. C'est lorsque les défis, des grands défis, et lorsque, c'est lorsque vous, comme futur leader, vous avez la responsabilité de démontrer comment est vraiment la force de l'équipe. Encore une fois, toutes les félicitations, tous et tous mes vœux de succès dans vos projets d'avenir. Merci. Accueillons maintenant la gestionnaire du programme d'éducation en service à l'enfance de votre centre d'accès, Mme Lorraine Baudron. Monsieur le Président, Collège Montréal, Mesdames et Présidentes, chers finissantes et finissants, parents et amis, distingués invités, ce soir, le Collège Montréal est en grande fête. En effet, nous vous célébrons, vous les diplômés, nous célébrons la fête de votre formation à titre d'éducatrice de la petite enfance. D'abord, permettez-moi de vous remercier d'avoir choisi le Collège Montréal pour votre formation. Au nom de toute l'équipe, ce fut un véritable honneur de vous accompagner au cours de vos études, pour vos études juniors. Toute l'équipe du campus de Niagara se joint à moi pour vous féliciter pour votre engagement et votre détermination qui vous ont permis de compléter avec succès votre programme. L'obtention de votre diplôme vous a permis d'accueillir les connaissances et les compétences nécessaires pour travailler en collaboration avec les familles et les autres professionnels afin de soutenir l'apprentissage et favoriser le développement des enfants. Nous sommes fiers de vos résultats et de votre réussite collégiale, bien sûr, mais nous sommes particulièrement fiers de votre cheminement personnel et professionnel au fil des années. Depuis 2011, nous travaillons en partenariat avec le Collège Niagara pour livrer nos programmes postsecondaires dans la région du Niagara. Et vous êtes la troisième cohorte de diplômés à bénéficier de cette unique entente. Through a wonderful partnership with Niagara College, we delivered the early childhood education program in French, as well as upgrading courses at the Wellman campus. This partnership allows our students to access the services provided by both Collège Montréal and Niagara College, from the resource center to the gym, to the lunches at the floor, the help desk, and the dorm. We are very fortunate to work collaboratively to ensure student success in Niagara. L'excellence du Collège Montréal est réfléchie cette année encore au campus de Drummond. La formation de base et le rattrapage ont atteint à 100% leur cible. De même, le programme d'accès à l'emploi des jeunes a atteint sa cible pour cette année fiscale. En plus, notre cohorte postsecondaire connaît une croissance continue. Je tiens à remercier les garderies communautaires qui ont accepté d'accueillir nos étudiantes en stage. Au Point de Petit, la Boîte à Soleil, les Petits Groupes, les écoles Champlain, Fitch, Nouvelle-Orléans et Notre-Dame de la Jeunesse. Vous permettez à nos étudiants de mettre en pratique leurs connaissances et nous vous remercions de vos contributions à leur apprentissage. Je tiens également à remercier le Centre de santé et le Centre d'emploi des ressources francophones pour les ateliers et l'appui que vous offrez à nos étudiantes. Aussi, j'aimerais souligner le travail remarquable de notre équipe du Niagara. Je remercie chaleureusement Nancy Baberstock, Lina Delary, Karina Gagnon, Benny Henry, Il y
Linda Capistina, Annabella Ebo Marano et Gita Marchetal. Chers finissants, chers et finissantes, soyez fiers de vos contributions à la communauté du Niagara. Soyez fiers de vos réussites et surtout, soyez fiers de vos collèges dont l'excellence académique est reconnue à travers la province. Je vous offre toutes mes félicitations et mes vœux de réussite à celles et ceux qui intégreront prochainement dans le marché du travail. Vous avez choisi une profession qui vous garantit un emploi et un avenir prometteur rempli de beaux défis. Que votre entrée dans le monde du travail soit couronnée de succès. Please accept our sincere congratulations and best wishes for success in your new and exciting career. Sur ce, merci d'avoir choisi le Collège Boréal et de nous avoir fait confiance. Sachez que nous sommes ici pour vous servir et nous accueillerons la porte ouverte si vous décidez de revenir du droit, que ce soit pour parfaire vos connaissances ou encore pour nous dire bonjour. Félicitations à vous tous. Madame Bourdouin, j'invite maintenant Mme Nancy Raymond, directrice du bureau de développement, à procéder à la remise des bourses. Merci beaucoup. Bonsoir, chers finissants, bonsoir, chers finissantes. Bonsoir également à vos familles, à vos amis, partenaires et invités. Monsieur le Président, Mesdames les Vice-Présidentes, c'est toujours un honneur pour moi de me joindre aux remises de diplômes. Nous sommes très fiers. Cette année, la Fondation a attribué plus de 1 800 bourses, qui a dépassé un montant de 1 200 000 $. Nous avons notamment distribué plus de 6 bourses ici aux étudiantes du Niagara Campus ici même. Donc, un montant de 6 328 $ qui est attribué. Au nom de la Fondation du Collège Boréal, je tiens sincèrement à remercier nos partenaires, nos associations, nos agences, les organisations, tous les commerces, tous les gens qui récompensent nos diplômés ce soir. Nous sommes toujours très reconnaissants de votre générosité. Maintenant, nous allons poursuivre avec quelques bourses communautaires. J'aimerais inviter Mme Lynn Michaud, vice-présidente de l'enseignement, à venir remettre les bourses du Club Richelieu de Waterloo. Les deux bourses sont d'une valeur de 250 chacune. Et elles sont remises à une étudiante qui reçoit un diplôme ou un certificat du Collège Boréal et qui s'est démarquée pour sa détermination et son leadership. Notre première lauréate, Manon Rocher. Qui reçoit un diplôme encore ou un certificat du Collège Boréal.
L'étudiante doit avoir effectué au moins un stage à la garderie La Voix du Soleil, avoir démontré la vision de la garderie et grandir, apprendre et s'épanouir. Le coloriat, Carly Morse. Lorsqu'on vous nommera, nous vous invitons à vous avancer à l'avant pour recevoir votre
Chers invités, nous remettrons les diplômes dans l'ordre de lequel ils figurent dans le livret. Prière de prendre la photo et de retourner à vos sièges par la suite. Alors, on commence avec le programme Éducation en service à l'enfance. Avec grande distinction, Manon Brochu. Chers collègues diplômés, comme
Mais lorsque j'ai reçu mon diplôme, la fierté ressentie, la valorisation de mes efforts, un véritable fait accompli. Ces sentiments sont aussi visibles sur les beaux visages des diplômés assis devant vous. Félicitations, vous avez atteint votre objectif. En cette occasion, j'aimerais partager avec vous une citation qui m'est très chère. Une citation de Benjamin Lee, journaliste bricoleur et adepte des valeurs de la nature. La voici. Tu sais, à mon avis, tout ce qu'il faut, c'est 20 secondes de courage insensé. Juste 20 secondes, je te fais la promesse qu'un mirage peut devenir réalité. Moi aussi, comme vous, j'ai choisi de prendre mon avenir entre les mains et d'avoir confiance en mes habiletés sans avoir peur de les connaître. Il y a 6 ans, je n'avais que mon diplôme d'études secondaires et j'ai tellement de 3 jeunes enfants, 7, 5 et 3 ans. C'est à ce moment dans ma vie que j'ai vu une annonce pour le programme Éducation en service à l'enfance offert par le Collège Boréal. C'est précisément à cet instant que j'ai trouvé mes 20 secondes de courage insensé. Pour changer le parcours de ma vie, une décision que je n'ai jamais regrettée. Mes 2 ans au Collège Boréal à Niagara furent des années intenses mais inoubliables. Un personnel chaleureux nous accueillait tous les jours et les professeurs étaient toujours prêts à nous enrichir, à nous pousser au-delà de nos limites et à nous appuyer, non seulement dans nos études, mais aussi dans les moments difficiles, lorsque nous étions désespérés et doutions notre avenir. Vous avez certainement tous vécu ces moments difficiles au cours de vos études aussi. Mais, comme vous, nous étions un petit groupe d'étudiantes motivées, une véritable petite famille qui cheminait ensemble comme les mousquetaires, un pour tous et tous pour un. Cette expérience m'a vraiment marqué et les connaissances apprises tout au long de mes études m'ont permis de connaître un grand succès depuis l'obtention de mon diplôme. Je suis fière d'être aujourd'hui la fameuse éducatrice chez Notre-Dame de la Jeunesse. Je suis la nouvelle vedette en raison d'une récente initiative du ministère de l'Éducation, une véritable rockstar selon mes élèves. Cela fut grâce au Collège Boréal, à son personnel dévoué et bien sûr en raison d'un peu de persévérance. Maintenant, c'est de votre tour de mettre en pratique tout ce que vous avez appris pour le bien-être de la prochaine génération, d'embrasser les moments d'apprentissage et de créer vos propres moments inoubliables auprès des enfants, notre futur. N'ayez jamais peur de prendre un risque. Avec votre diplôme en main, vous pouvez maintenant entamer cette nouvelle étape avec confiance et réaliser ce qui pourrait sembler impossible. Il ne faut que 20 secondes. Ne doutez jamais de votre décision de devenir éducatrice en service à l'enfance. Je peux vous dire que vous avez choisi un domaine prometteur. En septembre dernier, certainement reconnaissant aussi. Affiché avec fierté.
Père, merci, Shalom. J'inviterai maintenant la porte-parole de l'Éducation de la parole, Mme Marion Franchi. Je répète à tous les diplômés qu'à la sortie,
Ils peuvent venir prendre des photos.